Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.3. Nous allons donc faire un petit peu de farm dans l'optique, on va même dire, d'améliorer le mecha. Ce qui veut dire que nous allons devoir creuser à donf. Voilà. Tout en utilisant un certain système de détection de minerais et en espérant tomber sur du matériau des matériaux qui nous seront intéressants, pardon. Alors ce qui serait peut-être plus intéressant encore serait de mettre avec lui ceci, ce qui permettrait en 3 de détecter, vous voyez, toutes les caves, et donc là je peux continuer tout droit, il y aura une descente toute seule. Et donc aussi au passage, voilà, on peut voir qu'il y a du cuivre ici. Et on va pouvoir vérifier la couleur du durastil, en fait, véritablement, via ce système. Et voir si on peut en trouver. Cool. Une descente toute seule. C'est extrêmement agréable. Mais dis donc, c'est pas une planète très... Oh, des bombes. On a un coffre un peu plus loin. Pas de barrer, s'il te plaît. Hop. Alors, par contre, ça va faire bizarre d'utiliser ces choses-là. Voilà, qui semble être. Merde. Voilà, c'est bon. Ça serait bien du charbon, ceci. Ça, ce serait bien du violium. Dommage. Alors, nous avons vu des choses. Ok. Rappelle-toi, Marcus, que tu n'as plus du tout le système de vol. Enfin, de comment. Pour t'arrêter. Je crois voir du violet en bas. Qu'est-ce que ce sera, ce violet? Violium encore. Alors, j'ai pu vérifier via le système de la planète, vous savez, hein, vous pouvez le faire maintenant, qu'il y avait des choses intéressantes dedans, hein, pour nous. Maintenant, reste encore à les trouver. Hop. Ah, j'ai vu un truc bleu là par là. Ah ah! Ça s'en est. Donc, le durastil sera donc bleu. Dans notre recherche. Je crois en voir un peu plus bas. Mais ce sera peut-être du ferrosium celui-là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai cru en voir légèrement plus haut que nous. Non, c'est du violet. On continue à descendre, c'est pas grave. On a absolument tout notre temps. C'est un bleu un peu plus foncé, hein, de mémoire. Hein. Ça descend par là? Ça descend. Ouf, ça descend pas très profond. Crac. Oh. Une mine! Et ben, une mine bien vide. Hein. On va passer un gros coup de nettoyage là-dedans. Fâche, y'a rien! Eh bien, papa, merci. Crac. Ils sont deux. Ah ah! Salaud, vous êtes discret comme tout. Pas de bleu. Mais on peut continuer à descendre. Je vais ramasser ça. Je ne vois pas de durastil à l'intérieur, ici. Ferrosium toujours. Ah, ah, ah. Là, il y a des choses qui m'intéressent. Ok. On a trouvé un spot qui est déjà terminé. Dommage.
Dommage, dommage. Est-ce que c'est le bon bleu? Non, apparemment non. En tout cas, on a un endroit où il y a des sacrées poches. On peut le dire. Hein. Pour le coup. Ça s'en est. Voilà. Crac. Ce qui nous en fait un total de combien là? Trop peu, je sais bien, mais... C'est quand même intéressant de savoir combien. 16. C'est vraiment beaucoup trop peu. Hein. Ah, il y en a un peu plus haut là. Vraiment un tout petit peu. Et bon, on va pas faire la fine bouche. J'ai beaucoup de chance que mon Matter Manipulator soit vraiment si efficace hein, maintenant. Ah, un petit peu de bleu ici. Voilà. Prendra. Alors. Un petit peu bleu, un tout petit peu plus bas. Voilà. Effectivement, j'ai mal. Autant pour moi, j'ai oublié ça. Ouais. C'est quand même pas épique, hein. Oh putain, si vous saviez dans quel... C'est parce que je mine et que je suis dans une grotte et que j'ai pensé à autre chose. J'ai envie de jouer à WoW en ce moment, c'est un truc de ouf. Je relis des BD, je regarde à quoi ressemble le jeu maintenant. C'est pas bon. Oh là, j'ai loupé plein de choses. C'est particulier le... ce dash là. Hein. Je dis pas que j'aime pas. Hein. Je dis que c'est juste particulier à prendre en main. D'ailleurs, au passage... Comme je le dis, vu que c'est si particulier. Ah, tu veux pas venir me voir? Dommage. Du violet. De l'or. Ah, il y en a un tout petit peu là-bas. J'y vais. L'avantage, c'est que j'ai récupéré tout aussi au passage. Donc si ça change au bout d'un moment... Un petit peu dur à style là-dedans, non? Apparemment, il y en avait un petit peu, je crois. Hein. Nous en sommes à 47. C'est déjà bien mieux. Qu'est-ce que ça? C'est quoi ce truc derrière? C'est un champignon? Ah, c'est un champignon, d'accord, ok. Je comprenais pas ce que c'était visuellement. J'arrivais pas à visualiser la chose. Hop, allez, tombe. T'es bien. J'ai regardé en bas. Non, c'est pas le bon bleu. Dommage, dommage, dommage. Ouf. Un poil risqué ça, Marcus. Hein. Ça prendra. Il y en a un peu. Il y en a un peu, il y en a un peu, il y en a un peu. Cool. Progressons. Je crois en avoir vu une bonne quantité un peu plus haut. Ah bah, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, pourquoi pas. Vérifions. Autant pour moi. J'ai mal cru, comme on dit. Ok, du blond. Ah d'accord. Oh. Celui-là, je l'ai pas vu venir. Ça va être rapide, cela dit. J'ai pris atrocement cher à un moment. Hop. Petit coup de radar, sait-on jamais, mais voilà, ça n'a jamais été
les trucs les plus pleins de... Hop, allez, creuse. Creuse un tunnel, vite, creuse un tunnel, et puis un plus grand tunnel, c'est quoi? Vite avant que les hyènes ne viennent, creuse, creuse un tunnel à l'infini. Oula. Je respire dans la slime, c'est intéressant. C'est chiant aussi. Hein. Allez! Ouh là 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 là. Il va falloir que je gêne à fond là. Je veux pas dire. À mon avis, elle est juste à côté de ma gueule en fait, cette saloperie. Et j'ai tellement de PV. Voilà, c'est devant me donner une ragène en plus, au cas où. Voilà, ça t'apprendra, Simone. Oh merde, je tombe, je vais pas dans la bonne direction. Voilà. Je m'en suis sorti. Oh là là. Puis rien à choper dans ce truc-là en plus. Merci d'être passé. On se revoit dans 20 ans. Ok. Y'a rien. Là, y'en a un petit peu. Ah, vous êtes paradin pour un sou, hein. Alvéolium, j'en ai à chier, hein. Y'a pas de soucis. Alors, le Durastil. Madame, je vous demande de vous arrêter. Merci. Oh là 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 là. Vous êtes radin, radin, radin. Ah oh, il y en a. Oups. Excuse-moi. Je sais que je t'ai dérangé un petit peu là. Ok. Bonjour madame. Madame, je vous demande de vous arrêter. Je vous ai éjecté, madame, dans le sol. Bravo, madame. Vous êtes la meilleure. Ok, rien d'intéressant. Du ferrosium, là, si tu veux, oui. Une belle poche de ferrosium. Ouh, elle a un tout petit peu, là, aussi. Finalement, c'est pas si peu pratique que ça, hein. C'est particulier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas... C'est pas mal. Ouh, c'en est plein, là, ou c'est moi? Ah non, c'est du violet. Ok. Pouah, il n'y en a que deux là en bas. Merci. Bah j'en ai trouvé, hein, en soi. C'est juste que c'est un poil dangereux à récupérer, quoi. Question. Est-ce que j'ai suffisamment de portée? Non. Est-ce que j'ai un petit peu d'eau? Oui. Merci. Est-ce que je peux éliminer cette... région-là pour éliminer toute la... lave? Oui, c'est un truc qui marche. Il y a du diamant là-bas. C'est pas le diamant qui m'intéresse en ce moment. On est à plus de 100. C'est là que ça fait mal. Nous sommes à 87, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y en a un petit peu à l'intérieur là. Ça tombe bien. J'ai viré la lave juste avant.
qu'il en faut quand même un paquet pour faire ne serait-ce qu'un... Il y en a un paquet là, c'est ça? Non, même pas. Ok, ça passe. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais aspirer autant que je peux pour pouvoir passer. Il y en a deux. Deux. C'est pas rare comme truc, hein. Pas du tout. Ah, il y en avait là, vous voyez, je les avais pas vus. Oui, j'en profite pour péter tout le bloc, hein. Je m'emmerde pas. C'est comme là, regardez, là je vais péter tout le bloc. Crac boum U. Là pareil. Hop! Crac. Ça se passe bien. On en a récupéré un petit peu là par contre là. Hein. Ouais, 103. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, un petit coup encore. Un tout petit peu de bleu là que j'ai loupé qui est juste là, d'accord, effectivement. Je vais me rapprocher avant de tout casser. Je peux descendre. Cool. Si je peux casser ne serait-ce que là. Là, ça devrait pouvoir vider d'un seul coup, là. Hop, voilà. Crac. Ce qui, en soi, m'arrange pas des masses, hein. D'ailleurs. Ça m'arrangerait beaucoup plus. Voilà, là, je suis bien plus arrangé, là. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Rien. Ça, c'est cool. Ça, c'est la fête. Merci de me donner le liquide, hein. J'aime bien le liquide. J'aime bien avoir beaucoup d'argent sur moi. Tu dis quoi là en bas là? Hop, aïe. C'est la seule chose que j'avais pas envisagé, c'était de me faire attaquer par un machin comme ça. Enfin, attaquer, tout est relatif, hein. Ouh, il y en a un petit peu en haut. Bon, on va remonter parce que là, ça commence à être un peu chiant de chercher des choses et avoir du mal à les trouver en quantité intéressante. Faudra que je fasse plein de sessions. Ça, c'est pas du Durastil. Si? Si, c'en est. Ok, il y en a un petit peu d'autres dans le coin ou pas? Ah oui, il y en a un tout petit peu. On en profite. Si je pouvais, imaginons, casser ça. Normalement, ça me tombe pas dessus. Cool. Cool, 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 cool. Le Marcus est dans la merde. Vas-y, coule de par là, ça va couler bien plus vite. Ça va mal se finir. Ça va très très mal se finir. C'est ça qui est rigolo, je présume, hein, c'est que ça va mal se finir. Et que tout le monde est au courant. Et tout le monde fait comme si de rien n'était. Ok, on va être bon là. Est-ce que ça va me revenir sur la gueule? J'ai l'impression.
Là, je peux pas faire mieux. Hop, si ça suffit pas. Par contre, pour remonter, je ne peux plus maintenant. C'est génial. C'est la fête du slip. Ici. 4. Ok. Je me sens comme Batman. Ce qui est assez génial. Bien sûr, on va pas oublier de le faire sur la monte. Il y en avait un là en bas à droite. Oula. Il y en a là, mais je vais pas. Bizarrement, je vais pas tenter. Je sais pas si ça vous étonne. Vous me pétez les couilles, vous les deux. Putain. Ça y est, c'est temps. Hein. Ça va, c'est pas la roche la plus dure du jeu. Ça passe. C'est pas le bon clic. Là, je peux remonter? Non, je peux pas. Quel dommage. Non, il n'y avait pas de... Passer en 4 parce que sinon... Voilà. Et je sentais mal. D'accord, donc il vaut mieux que je fasse en fait. Je vais y arriver. Ok, d'accord, pourquoi pas. Là, il y en a un poil, je prends. Il n'y a pas d'autre. Apparemment non. Merde. Ça passe, hein, ça passe. On arrive à remonter. C'est pas ce que je voulais faire. Ok. La concentration d'un Marcus. Je sais pas si je suis assez haut, je pense pas. Non, toujours pas. Bonjour. Merci. T'es venu tout seul à ta propre mort, c'était rigolo à regarder. Ah. J'ai failli venir tout seul à la mienne. Je sais pas pourquoi je voulais absolument que ce soit par là, apparemment, c'est... C'était dans ma tête, il y avait une nécessité que ce soit là. Ok. Je peux toujours pas remonter. C'est pas grave. Jusqu'à ce qu'on y arrive. Hein. Dans le coffre, et peut-être un petit peu de... Ah non, même pas. Quand t'as pas de bol, t'as pas de bol. Ah, j'ai un petit peu de chance, là. Je suis tombé droit dessus, finalement. Oh, un village de nains. Désolé. Ball of Gnome. Ça prendra toi. Ah, il y en a un paquet là. Là, il y en a véritablement un paquet. Cool. Léger lag. Léger. Très 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 léger. Hop. On grimpe.
va finir par y arriver, hein. Quand on touche le fond, on ne peut que remonter, comme dirait l'autre. Oh bah bien, c'est pas par là que je voulais aller précisément, mais écoute. Est-ce qu'on a un petit coup de... Ah, il y en a un petit peu ici. Petit coup. Rien dans les alentours. Là, il y en a un petit peu. Ça, c'était de l'argent. Et là, bah, c'est littéralement le néant. Ah là là. Ah, on entend le vent. Je peux toujours pas sortir, cela dit. Mais bon, en soi, c'est une bonne chose si on entend le vent. Une petite dose sympa par là. Non ? Bah, juste à côté. Bon, là, je devrais pouvoir sortir normalement. Oui, oui, je peux ! Et oui, c'est bien lui. Ok, bon bah on a du durasty là, foison. On va aller le faire fondre. Hop. Crac. Bon bah ça c'est bon. C'est déjà une bonne chose. On a déjà le durasty. Qu'est-ce qu'il nous faut en plus? Grande question. Déjà au niveau des ors que j'ai en trop. Hop. Crac. Crac. Tout. Ouais, je peux mettre ça aussi, y a pas de souci. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et ça aussi. Cool. Ok, bon bah. Ça se passe pas si mal. Ouais, on va retourner voir à l'autre poste. On va retourner voir à l'autre poste. Puisqu'on a encore une fois deux choses à modifier, chers amis. Les textes, finalement, qui ne sont pas si bonnes. C'est bon. Je trouvais ça un petit peu long, bizarrement. Celle-ci me sert strictement à rien. Ok. Celle-ci me sert pas plus. Ça, ça peut être pratique, par contre. Ok. On est bon. On va manger un petit coup aussi au passage, parce qu'on a encore faim. On fait que ça, bouffer. Ok, c'est bon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut véritablement... Ah, bah, on peut créer d'autres choses, déjà, là. Ah, ah. Ah, ah, ah. Soit on prend la 2-2, soit on prend la 3-1. Sachant qu'on ne peut pas encore construire d'armes... Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas assez de power coupling. Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que je vais en utiliser ici? Non. Donc je prendrais bien le 2-2. Oh, c'est long. Oh, c'est long. Oh, c'est long. Ok, c'est bon. Flight speed, maneuverability, d'accord. Parce que ça, j'ai encore rien de ce côté-là, par contre. Ça, c'est un peu dommage. Ok, j'ai donc ici... Ceci, qui le rend comme ça. D'accord, intéressant. Ok. J'ai pas plus de dégâts. Donc ça m'intéresse pas de le faire. On va faire une petite sortie quand même. Vu qu'on est dans ce système là, on n'a pas encore fait de sortie dans le système. On va en faire une. On va aller sur un truc intéressant quand même. Hein. On va pas se leurrer si je puis dire. Exemple, ça c'est quoi? Dangerous. Ah oui, c'est vrai, vu que j'ai changé de style de système aussi, je risque d'être un petit peu plus dans la merde. En termes de dégâts. Ouais, bon bah on va sortir de ce système là, on va se mettre sur un système gentle qui sera juste à côté je pense. Genre là, non c'est un frozen. Genre là, radioactive. Radioactive, radioactive. Bref, radioactive, radioactive, gentle. Cherche une gentle mais un peu plus loin qu'on puisse bouger un petit peu. Vraiment, c'est compliqué. On va sur une températe. Températe, ça peut être sympa. 85 de fuel. On remarquera que mon fuel, normalement, ne baisse pratiquement pas. Voilà.
Simplement, c'est même pas un cheat, hein, chers amis. Hein. Encore une fois, c'est à cause du simple fait que... Enfin, j'espère que c'est pas un cheat. Je suis pas en admin. T'es que no way, donc non, c'est bon. Ok. Ouais, simplement que le temps passé avec mes alliés dans le vaisseau ont fait qu'ils ont augmenté tellement leur stat que ça devient complètement OP, complètement pété. Aïe. Ok. Pourquoi j'ai pas le droit de descendre? Ah, parce que je suis dans le système, effectivement, oui, comme un con. Medical Research Station. D'accord, intéressant. Low. On va aller sur celle-là, ça a l'air sympa. On va bien voir, hein. Ok! Déploy mec. Ce sera par là. Visuellement, il claque hein, finalement. Il est pas très rapide, quoi, c'est tout. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Continuons à progresser dans la même direction. Ouh. On a vraiment un manque de dégâts quand même qui est assez important. Il y a moult bombes dans le coin. Ok, on est légèrement remonté. C'est quand même tendu du slip. Hein. Je sais bien que j'ai bien encaissé le coup de tout à l'heure, mais quand même. Coucou Simon. J'ai un manque de dégâts qui est incroyable. Ah. Wow, bonjour. Vise Marcus. Dégage! Arrêtez de me pousser les uns vers les autres! Ah cool, ça c'est cool que tu me donnes ça. C'est vraiment très très cool, ça veut dire que je peux me faire une arme de mémoire. Putain. Oh les saloperies. Ok. C'est quand même chaud, hein. C'est quand même vachement chaud. Oh putain, c'est pas elle qui a largué ça quand même. Oh nom de Dieu, ça pue du cul! Comme dirait l'autre, on l'a échappé belle. Par contre, c'est pas intéressant du tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a strictement rien à voir en plus. On va faire le tour du bâtiment. Des fois, il y a des trucs collés aux parois.
Enfin, de l'astéroïde en question. D'ailleurs, c'est souvent sur ces parois-là qu'on trouve les choses les plus intéressantes, finalement. Mais apparemment, là, je suis comme l'indice japonais. Je suis... Ah, attendez, il y en a un là, ici. Qui me donnera... Un salvaged actuator. Connais pas. Comprends pas. Enfin, je comprends pas, en fait, actuator. Actuator. Bref, je ne sais pas. Peut-être un autour ici. Ouais, je m'en doute un petit peu. C'est celle qui flotte autour, donc. Oh, cool. Pourquoi celui-là, il n'est pas été... Bizarre. Ok, je prends. Power coupling, génial. Peut-être un dernier autour d'une truc là? Non? Et bah non. Bon bah on remonte et on va aller justement redescendre ensuite jusqu'à l'outpost. Et améliorer notre mecha une première fois véritablement en termes d'armement. J'opterais bien, compte tenu pour l'instant que la drill ne me sert strictement à rien. Faut dire ce qui est, hein. Bah, de toute façon, c'est pas que j'opterais bien pour autre chose, c'est que j'ai pas le choix, véritablement. Et là, ta question, c'est est-ce que je prends ça à 0,22 et ça ou ça 0,22 Un shotgun me semble plus intéressant. Construisons le shotgun. Ok, faisons une tentative sur le dernier truc, on a 36 000 d'épisodes, c'est pas grave. On va bien voir. On va bien voir, c'est pas grave, on teste, hein. On est là pour s'amuser. Ok. Oh, c'est pas ce à quoi je m'imaginais. Oh, d'accord. Donc en intérieur, je peux comprendre que ça fasse masse dégâts. Ok. C'est passé mieux quand même que ce que je pensais, honnêtement, là, pour ce coup-là. Là, va y en avoir un qui va arriver de la gauche. C'est vrai qu'en mono-cible, du coup, c'est un peu faible. Nous, on sait qu'on doit passer par là. Par contre, là, ça va montrer un petit peu plus de potentiel, potentiellement. Non, pas plus que ça, finalement. Donc, c'était pas si bon. C'est peut-être pas le meilleur choix, finalement. Ah oui, je m'en rappelle d'ici. Il y a une légère, regardez, on voit bien la limite de la portée de la réverbération des tirs. Ok. Ennemi. Alors, tant qu'ils sont en solo, on voit bien qu'on en chie. Hein. Je veux pas dire, mais. Ok, ça passe. Sympa ces petits. Très faible mais sympa. J'ai pas de dash, de vitesse de déplacement plus rapide avec ce truc là. C'est un peu dommage, je reconnais. Ils sont solides, hein. Ils sont vraiment très très solides. Même en gaspillant mes tirs, en fait, techniquement, ils sont pas gaspillés. C'est ça qui est très pratique avec ce mode. Cette arme. Ok. Tous les chemins mènent à Rome. Merde. Je le reconnais que j'avais pas vu. Ouf,
m'attendais pas à ça. M'attendais pas à toi dans ce rôle là. Vas-y, éteins-toi. Éteins-toi. Merci. Comme ça, je peux récupérer ça. C'est pas la seule. Ok, là, c'est bon. Il va falloir de l'énergie. J'ai l'impression de consommer énormément sur Terre. C'est moi. Ah, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Cool. Ah bah. Ah bah j'ai trouvé le klaxon. Oh, c'est triste. C'est très très triste. Oh là là. Oh. Ah, c'est rigolo quand même. C'est rigolo. Ah là là. Oh. Ok, bon, merci. Venturer Make Buddy. Venturer. Venturer. Ouh, c'est sympa. Visuellement, ça claque. Et on est en Violium. Et on est aussi en plus gros truc au niveau des Salvaged Proton Limiter. Ok. Why not? Ok, bon bah écoutez, chers amis. Nous, on va se laisser là pour cet épisode. On va se retrouver dans le prochain. En tout cas, on continuera à améliorer ce vaisseau. On continuera à explorer l'espace. Jusqu'à avoir un des derniers vaisseaux. Un des derniers mechas, pardon. Mec. Que je prenne les bons termes. Du jeu. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour ça.